Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo unboxing. Est-ce que vous reconnaissez la forme de cette boîte, mes amis? Je suis trop contente. J'ai été contactée par la boutique Oraloa. Si vous ne connaissez pas Oraloa, c'est une boutique de diamond painting. Et on m'a contactée pour savoir si je voudrais recevoir une toile gratuite. C'est un partenariat qu'on m'a offert, je vous le dis tout de suite. Donc, on m'a envoyé cette toile gratuite pour que je vous fasse une vidéo unboxing, que je vous présente la toile, ce qu'ils m'ont envoyé et que je vous donne mon avis. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Par contre, avant, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que sur ma page Facebook, mais également sur mon groupe Facebook, Melissa Arts, Coloriage et Diamond Painting, pour partager avec moi et tous les autres, justement, vos colos et vos Diamond Painting. Donc, j'ai été contactée par la compagnie Oraloa. J'étais super contente parce que j'ai entendu énormément de bien de cette boutique. Je n'ai jamais testé moi-même, mais tout ce que j'ai entendu, c'était que des bons points, très bonne qualité, superbe toile. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une toile que je peux vous montrer sur sur ma chaîne YouTube, parce que les artistes sont rémunérés sur cette boutique. Ce qui veut dire que les artistes ont donné leur consentement et qu'à chaque fois qu'une toile est vendue avec leurs œuvres, eh bien, ils touchent de l'argent. Donc, ils sont rémunérés. Donc, j'ai tout à fait le droit de vous montrer cette toile sur ma chaîne, ce qui n'est vraiment pas le cas de toutes les boutiques. Vraiment, c'est pour ça que j'avais arrêté. Bon, vous voyez la boîte, comment est-ce qu'elle est? Elle est immense! Donc, quand on m'a contacté, j'ai tout de suite foncé sur le site de la boutique. Et plus tard, je vous montrerai le... Je vais vous prendre devant mon écran et je vous montrerai la boutique. Et on parlera parce que j'ai remarqué des petites choses sur la boutique que je trouve très intéressantes. Donc, je ne fais pas plus de blabla tout de suite. Plus tard, on ira voir la boutique. Mais là, passons au... à l'unboxing. Donc, voilà, Oraloa. D'accord, est-ce qu'il y a autre chose dans cette boîte? Non. Je la remets à l'endroit. Voilà, Oraloa. Donc, je remercie de tout cœur la boutique de m'avoir offert une toile gratuite pour que je puisse vous la montrer et vous en parler. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, mais ça a l'air tout mignon, ça! C'est quoi? Et la livraison a été très, très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que Oraloa a des entrepôts au Canada. Un entrepôt, au moins. Je ne sais pas combien, d'accord? Je ne sais pas combien d'entrepôts qu'ils ont, mais je sais qu'ils en ont un au Canada et un en Europe, au minimum. Donc, si vous commandez sur la boutique et que vous êtes en Europe, ben la toile va venir... Normalement, si je ne dis pas de bêtises, la toile va venir de leur entrepôt en Europe. Mais qu'est-ce que si je veux voir, moi? Oh, que c'est beau! Mais que c'est beau! Une petite aimant! Comment ça fonctionne? Une petite fleur. C'est trop mimi. C'est trop cute. Ici, on a un carton. Oh! Qu'est-ce que c'est? On a des collants. D'accord. Oh, regardez, on a des petits autocollants. C'est mignon, ça. Je veux revenir sur ce petit outil. Je ne sais pas du tout si... comment dire? Ce petit outil qui est génial que je vous ai présenté tout à l'heure en ouvrant le paquet, je ne sais pas du tout s'il vient avec le toolkit ou avec le kit en fait. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est simplement un petit cadeau pour moi.
Ça, je pense. En fait, je pense que si vous êtes client, vous devez l'acheter séparément. Je suis vraiment, vraiment pas sûre qu'il vienne avec le kit. Je pense que c'est un petit cadeau pour moi. Donc voilà. Donc si vous commandez, s'il vous plaît, je préfère vous prévenir. Soyez pas déçus si vous n'avez pas ce petit outil. Je pense que vous devez le commander séparément, mais je pense que, on me l'a mis à moi dans le kit parce que c'est un petit cadeau. Donc, je voulais faire cette petite mise au point parce que, bon, j'ai eu dans le passé, ceux qui me suivent depuis très, très longtemps, il y a eu une grosse histoire avec, un truc que j'avais montré dans un unboxing Diamond Painting. Moi, je pensais que ça venait avec toutes les commandes. Et en fait, pardon. Et en fait, ce n'était pas le cas. Et ça avait fait toute une histoire. Donc, je tiens à préciser que je crois que vous devez le commander séparément. Moi, je pense que je l'ai eu dans mon colis parce que c'était un petit cadeau de la boutique. Donc, voilà. Mise au point, là, pour pas que ça nous fasse une histoire encore rocambolesque, cette histoire-là. Donc, je vais chercher sur le site et je vais essayer de trouver le lien pour ce petit outil. Cette petite image, je vous mettrai également, si je le trouve, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir, mais je crois que vous devez les commander séparément. Voilà. Petite mise au point faite. Voilà. J'ai été interrompue et j'ai oublié de repartir la caméra. Donc, on va recommencer. Je ne sais plus ce que la caméra a filmé ou pas. Donc, je vous remontre et je m'arrangerai au montage, d'accord? Donc, on a cette petite chose. On avait cette petite fleur trop mignonne. On a des petits stickers trop cute. Et ici, je vous montrais que c'est écrit Oraloa, let your creativity sparkle. Donc, laissez votre créativité briller. Ici, on a l'adresse mail et le site web et tout. Et vous pouvez les retrouver sur Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. Donc, voilà. Donc, cette petite Emma, je disais, je vous ai montré ça, mais je crois que j'ai complètement. La caméra filmait pas, désolé. Donc, on a deux petites aimants. Vous voyez, comme ceci, ça va tomber. Donc, on a cette partie-là et on a cette partie-là. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je fais une bêtise, c'est pour tenir le film plastique. Vous voyez, vous mettez un morceau sur le dessus et un morceau sous la toile et ça devrait tenir le film plastique. Mais là, je vous dis ça, mais c'est peut-être pas ça du tout. Si c'est pas ça, dites-moi-le en commentaire. Yep, voilà. Et c'est une petite pieuvre, je crois. C'est trop mignon. Donc, sous la vidéo dans la barre d'infos, bien entendu, je vais vous mettre le lien vers la boutique. Et je vous mettrai également le lien vers la toile que j'ai choisie. Donc, j'en étais là avant de me rendre compte que ça ne filmait pas. Bon. OK. On va déballer. Je ne veux pas vous montrer le motif tout de suite. Est-ce que j'ai quelque chose? Je vais essayer de passer le pinceau. C'est arrivé très rapidement. Je ne sais vraiment pas où que la caméra a arrêté. Où j'étais quand j'ai arrêté la caméra. C'est arrivé très rapidement. Je vous mettrai dans l'écran la date de la commande, en fait. Et je vous mettrai la date que je l'ai reçue. On est lundi le 18 avril. Donc, sortons cette petite merveille. D'accord, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Voilà. Donc, niveau emballage, ça arrive très bien emballé. Là, je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour vous montrer la toile au complet. Je ne sais pas, mes amis. C'est une toile en tissu. Oh oui. Ça, je suis contente. C'est un. Oh, wow! C'est une toile avec de la colle coulée.
Si vous ne savez pas ce qu'est de la colle coulée, c'est en fait, je vous explique rapidement. C'est ce que je préfère. Vous savez, parfois, on reçoit les diamond painting avec un papier blanc dessus. Quand on reçoit le diamond painting avec un papier blanc, c'est que c'est de la colle double face. Ce qui veut dire qu'ils mettent la colle double face sur la toile et ensuite ils rajoutent le papier. Et c'est pas mauvais cette façon de faire, mais ça peut créer des rivières, d'accord? Tandis que avec de la colle coulée, ici on a la toile et il coule de la colle dessus et ensuite il colle un papier transparent. Et là, il y a vraiment, je crois, sans dire, je veux pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de chances que il y ait des rivières. Et moi, j'adore je sais qu'il y en a qui préfèrent le papier blanc, opaque, parce qu'ils veulent avoir à chaque fois la surprise de la zone qu'ils vont faire. Mais moi, honnêtement, je préfère le papier transparent, tout simplement parce que ça va m'aider à décider dans quel sens que je vais la partir. Selon les symboles, je vais soit la partir d'un côté et m'en aller horizontalement, ou parfois je la pars du haut vers le bas. Ça dépend vraiment de la toile. Donc, attendez, où est-ce qu'il est mon toolkit? Oh, mon toolkit, j'ai mon toolkit. On va regarder le toolkit. C'est un tissu et vraiment de très bonne qualité. Et le plastique, là, c'est beaucoup plus beaucoup plus épais, on va s'entendre, mais c'est vraiment différent des autres plastiques que j'ai sur mes toiles. Il est plus épais. Ouais, il est plus épais, donc je suis trop contente. Donc le toolkit, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Je vais y arriver. On a un petit stylo, en fait, pour placer. On a un placeur de 3 diamants à la fois, je crois. Ça, c'est 3, d'après moi. On a un petit stylet, comme ça, transparent, avec des paillettes. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une petite moumousse. Ça, c'est super. J'adore ces petites moumousses-là. C'est pour avoir une prise plus confortable. Voilà. On a une pince. Oh, elle est super! Ça, les pinces, je m'en sers surtout avec les diamants carrés. Mais elle est géniale, la pince. Elle est très, très bonne. C'est le genre de pince que j'utilise tout le temps. On a une petite barquette et on a un petit... oh, non, il n'y en a pas un. Je m'en allais dire des bêtises. On a 3 petits ronds de colle bleue. Très intéressant. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un petit contenant comme ça pour le... pour nos petites colles. Je n'ai jamais testé la cire bleue. Je n'ai jamais testé la cire bleue. Donc, vous vous doutez bien que je vais vous faire des vidéos Diamond Painting and Chat. Comme ça, on va pouvoir voir... Ah! Attendez, j'avais oublié quelque chose dans le petit sachet. On a également un placeur à multiple. Celui-là, je ne sais pas combien. C'est peut-être... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est un placeur à 9 diamants. Vous pouvez placer vos diamants par 9 avec ce petit placeur-là. Je vous avoue que j'utilise très rarement ce genre de petits outils, en fait. Je vais y arriver. Donc, je remets tout dans ma petite pochette. Sur le site, vous avez le choix entre diamant rond et diamant carré. Moi, j'avais... Quand ils m'ont contacté, j'ai tout de suite foncé sur le site pour voir quel modèle qu'il y avait, parce que vous savez combien j'aime Annaline. Et je savais que cette boutique, Auraloa, avait des toiles Annaline. Donc, tout de suite en allant sur le site, j'ai même pas cherché dans les autres toiles. Je suis tout de suite allée voir quel modèle d'Annaline la boutique avait. Et j'ai complètement craqué pour ce modèle, mes amis. Le modèle s'appelle Amanda et Axel. J'aurais aimé l'avoir en carré. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que rond. Mais ça ne me dérange pas. Je déteste pas les ronds. Bien au contraire. C'est vrai que normalement, je me dirige plus souvent vers les carrés, mais j'ai aucun souci avec les ronds non plus. Donc,
on a nos diamants. Par contre, je vais vérifier avec vous si ça colle bien. Oh oui, aucun souci avec la colle. Elle colle très, très bien. Ici, on a. Est-ce qu'on l'a en français? Oui. Bienvenue sur Aura Aloha Diamond Painting Craft. Aura Aloha Diamond Painting est un nouveau concept de travail artisanal fait à la main où vous pourrez créer de superbes designs avec de minuscules facettes en forme de diamant. Là, ici, on a en fait des... on a des instructions. Pour ceux qui n'en ont jamais fait et qui ne connaissent pas, on a des instructions. Donc, ça, c'est super. Instructions. Oh, c'est super. On a instructions d'entretien. Créer et designer au Canada et en France par nos équipes. Assemblées en Chine pour Aura Aloha. Le kit contient une toile de haute qualité, un kit d'accessoires complet, un sac de faux diamants conforme à la norme EN71-3. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, on a des instructions et c'est super. OK. Je ne vais pas vous faire languir de plus longtemps. Je vais vous montrer la toile que j'ai choisie. Là, voilà. J'ai choisi Amanda et Axel. J'ai complètement craqué pour ce modèle. Il y en avait d'autres de très jolis. J'ai hésité entre celui-là et un autre avec un petit dragon. Mais le loup. Le loup m'a attiré. Je dis souvent à certaines de mes amies, je suis une louve solitaire. Oui, je suis une louve solitaire. Et quand j'ai vu ce modèle, j'ai tout simplement craqué. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc, la toile fait 65,2 par 91,4 cm. Ou si vous êtes en pouces, la toile fait 25,67 pouces par 35,98 pouces. Donc, la toile s'appelle Amanda et Axel. Et c'est une aniline, comme vous pouvez le voir. Ici, oh, c'est super! Regardez, c'est trop bien fait, en fait! Ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a, ce sont tous des petits autocollants. Je vais en décoller un. Oui, voilà. Ce sont tous des petits autocollants pour qu'on puisse identifier nos diamants. Soit vous les laissez dans... Je vois que c'est des sachets. Oh, je suis contente! On va les regarder après. Mais vous avez chaque petit autocollant pour identifier vos petits contenants. On a 50... couleur. Et je sais que dans cette toile, il y a des diamants AB. Si vous ne savez pas ce qu'est un diamant AB, ça signifie aurore boréale. Ça veut dire que c'est un diamant qui a toutes sortes de reflets. Et c'est magnifique. Je regarde les symboles. Voir si... sur le papier, sont clairs. Ça, c'est ce que vous voyez bien. J'espère que oui. Donc, de ce que je vois pour l'instant, les symboles sont clairs. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent énormément et qui pourraient être confondus l'un avec l'autre. Oui, non, je vois rien de trop ressemblant. Donc, c'est super. Et on a ici les diamants. Là, je sais que ça fait du bruit, donc je vais essayer de couper le son pendant que je déballe. D'accord, j'ai ouvert le sachet. Et là, je crois qu'ici, on a nos diamants AB. Attendez. Donc, ici, on a un petit 50. Et d'après moi, ça va être le... Attendez. Oui, oui, je pense que c'est ça. Ça va être la couleur 50. Ah! Regardez! J'avais pas remarqué. Ici, à droite, on a justement les références de nos couleurs AB. Donc, on en a 4. OK, 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 OK. C'est parfait. Regardez-moi cette beauté. Ils sont superbes. J'ai un petit diamant orange dans mes bleus. Ce n'est pas grave. Et franchement, ils ont l'air beaux.
Donc ici, on a un de nos AB, le 50. Ensuite, on a un verre. J'espère qu'à la caméra, vous le voyez. Un super beau vert. Ensuite, un rose. Donc, j'aimais tellement cette toile que je l'ai pris, même s'il n'était pas encore pris, je l'ai pris, je n'ai pas hésité. Et on a un violet. Et ce sont tous des petits sachets qu'on peut rezipper. Ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement besoin d'une trousse ou de contenant spécifique. Vous pouvez les laisser dans le sachet. Et moi, c'est ce que je vais faire. Attendez, je ne veux pas les mélanger. Ils sont tous en ordre. On va sortir quelques couleurs pour les regarder. Oh, ils sont beaux. Ça doit être la couleur peau, certainement. Le 39, le 39, le 39. OK. Ouais. Sur mon papier, par contre, le 39, c'est plus une sorte de gris pâle. Mais je suis sûre que c'est pour la peau. Oh, je suis contente. Bien sûr, je vais vous faire des vidéos Diamond Painting and Chat. Et pas dans celle-là, d'accord? Je vais séparer ça. Mais je vais vous faire des vidéos Diamond Painting and Chat pour vous montrer la pose des diamants. Parce que... oh, ça aussi, c'est des couleurs peau. Elles sont super belles. Parce que, évidemment... Oh, regardez, sur les sachets, on a des petites... j'avais pas remarqué sur les premiers, mais sur les sachets, on a des petites informations. Numéro 31. Prenons donc notre... Le 31, ce serait ce petit symbole. Et... D'accord. Je pense qu'on nous met le nombre de diamants. Non, je sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai peur de dire des bêtises, mais c'est écrit 966. Ça, c'est peut-être la quantité de diamants, en fait. Mais je suis pas sûre. On a le poids, ça, c'est sûr. Attendez, je vais en reprendre un autre. Ouais, c'est ça. On a... Ici, c'est écrit 950. Oh, c'est peut-être le DMC. C'est peut-être le DMC. Si vous ne savez pas ce qu'est un DMC, c'est tout simplement le numéro de la couleur. Donc, voilà. Les diamants ont l'air super beaux. OK, voilà, mystère résolu. Le numéro 310, c'est le noir. Donc, ici, le petit chiffre sous le gros chiffre, c'est vraiment le DMC, en fait. Et c'est le numéro de la couleur, en fait. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, si vous voulez voir des vidéos, restez à l'affût. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Parce qu'il va y avoir des vidéos Diamond Painting and Chat où je vais vous montrer comment les diamants se posent sur la toile. Et là, je vais refermer et je vous montre de côté. Donc, voilà les couleurs. Évidemment, on a beaucoup de noir parce que vous savez que les dessins d'Annaline ont beaucoup de traits noirs. Et aussi, c'est un dessin qui se passe dans la nuit. Donc, c'est évident que ce sont des couleurs sombres. Ils sont superbes. Est-ce que... Attendez. Juste un instant. Je vais vérifier que j'ai tous mes sachets. Je voulais pas les ouvrir, mais je pense que je vais devoir pour être sûre que j'ai toutes mes couleurs. Mais d'après moi, j'ai tout. Bon, je fais ça hors caméra et je vous reviens tout de suite. D'accord, j'ai vérifié et je vous confirme que j'ai toutes mes couleurs. Donc voilà. Maintenant, je ne sais absolument pas comment je vais faire pour vous montrer cette merveille en entier. Sur mon bureau, c'est impossible. La caméra n'est pas assez haute. Oh, les couleurs sont tellement belles. Comment je vais faire? Je veux vous la montrer en entier, bien entendu. Attendez. D'accord, on est sur la table de ma cuisine. Vous allez pouvoir le voir en entier. Donc, voilà cette
Merveille. Oh, je suis trop, trop contente. Je suis fan. J'adore le loup. Il est magnifique. Voilà. Mais oui, tu peux regarder. C'est ma mère qui veut la voir. Donc, je vous la montre. Je suis debout sur ma chaise et le loup est sur la table. Donc, on va voir ce que ma mère elle en pense. Dis ça à mes abonnés, moi. Oh, elle est super belle. Très jolie. Très longue à faire aussi. Mais ça va être le fun. En haut, on a la nuit avec une lune et une petite chauve-souris. C'est trop moi. C'est trop, trop moi. Merci de la tenir, maman. C'est gentil. Bon, donc voilà la toile en entier. Elle est tout simplement magnifique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller devant mon écran et je vais vous montrer le site. D'accord, mes amis, on se retrouve sur le site de Oraloa. Je voulais vous le montrer un peu et en fait, je ne sais pas comment placer la caméra. En fait, en haut, est-ce que vous le voyez? Non, je vais lever la caméra. Voilà. Ici, dans la bande bleue, ça nous écrit « Obtenez 15% de remise avec le code ORALOA15 ». Donc, si vous commandez sur le site, n'hésitez pas à utiliser le code pour avoir une remise de 15%. Donc, ici, on a la description de la toile que je me suis choisie. Je vais la lever un peu. Donc, on a le titre Amanda et Axel. Ensuite, c'est écrit Un ami protecteur. Une nuit de pleine lune, une forêt sombre, des créatures mystérieuses. Amanda traverse les bois épais. Parfois effrayant, sous l'œil protecteur d'Axel, toujours présent à ses côtés. Écoutez, j'ai craqué complètement quand j'ai vu cette toile. Moi qui dis tout le temps à mes amis que je suis une louve solitaire, c'est un petit clin d'œil. Donc ici, on a, c'est écrit, est-ce que vous êtes assez près? Je veux que vous voyez bien. Ici, c'est écrit image sous licence exclusive avec Oraloa. C'est ce que ça veut dire, si je ne dis pas de bêtises. C'est que, évidemment, Annaline a donné la permission à la compagnie Oraloa d'utiliser sa toile, son dessin. Et donc, elle est rémunérée. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire que si vous commandez des toiles sur Oraloa et que vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez la partager sans aucune inquiétude. Ne vous inquiétez pas, la compagnie a le droit de vendre cette toile. On a toutes les informations sur la toile ici. Toile complète, ça veut dire que ce n'est pas une partielle. Une partielle, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement qu'on a une toile imprimée, mais que les diamants ne recouvrent pas toute la toile en entier. On a certaines zones spécifiques où on colle des diamants et le reste, ce n'est qu'une impression. Donc ici, quand ils nous disent toile complète, ça veut dire qu'on a des diamants sur toute la surface de la toile. Vous avez la taille, vous avez disponible en diamant rond ou en diamant carré. Ils nous disent combien de couleurs et ils nous disent combien de diamants AB. Donc ici, on avait quatre couleurs AB, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et c'est ici, mes amis, que je trouve ça super intéressant. On a une écriture qui nous dit niveau et ça nous dit tiki intermédiaire. Et ça, je crois que c'est, j'ai pas demandé, mais d'après moi, ça veut dire que ça nous donne en fait le niveau nécessaire pour faire la toile. Par exemple, c'est peut-être pas une toile qui serait bonne pour des débutants, parce qu'elle est un petit peu plus compliquée. J'imagine qu'on a le niveau débutant, intermédiaire et expert, vous voyez? Donc, ça aide beaucoup à choisir les toiles. Si vous êtes débutant, peut-être que ce ne sera pas une toile vers laquelle vous voudriez vous diriger. Ensuite, on a les prix, bien sûr. Et ici, voilà, on a, je crois que Oraloa livre dans tout le monde, partout, mais aussi on a en Europe, aux USA, au Canada et le reste du monde. Et ça, c'est pour savoir, c'est vraiment bien fait, c'est pour savoir si vous êtes en Europe, si la toile est disponible, ça dit disponible. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, ça vous marque que la toile est disponible. Et pour le reste du monde également. Si le produit n'est pas en stock, le délai de livraison peut être de 8 à 12 semaines. Voilà. Donc,
Ici, on peut choisir entre diamant rond et diamant carré. Je vais vous montrer ce que ça nous dit si on... Par contre, par exemple, moi, je voulais des diamants carrés et je vais vous montrer ce que ça nous donne. Voyez, ici, il n'est pas disponible en diamant carré pour l'instant. Donc, vous pouvez l'acheter quand même, mais... Pour l'instant, elle n'est pas disponible en carré. Elle est disponible uniquement en rond, mais ça va éventuellement revenir. Donc, voilà, mes amis. Je vais vous montrer. Il y a d'autres toiles de Annaline. Je vais cliquer ici. Donc, en tout, pour l'instant, vous avez 7 toiles de Annaline. Vous n'avez pas qu'Annaline, hein, je vous rassure, là. Vous avez d'autres artistes, mais moi, c'est certain que j'allais me diriger vers Annaline. Donc, j'ai choisi celle-là et je vais vous montrer lequel que j'ai failli choisir aussi. J'ai hésité entre deux. Celle-là ici, qui s'appelle Alicia et Aliana. Donc, on avait un petit dragonnet, mais vraiment, moi, j'ai trop craqué pour Amanda et Axel. Et on a aussi ces toiles-là qui sont disponibles. Et la septième, c'est là. Voilà, la septième, c'est celle-là. Donc, vraiment de superbes toiles. Et vous avez un onglet nouveautés. Vous avez des outils aussi, des accessoires. On peut aller voir. Donc, je vous montre, ça c'est super intéressant. Vous pouvez acheter des diamants en cristal carré. Vous pouvez acheter des diamants AB. Si jamais vous avez une couleur que vous voulez modifier sur votre diamond painting, vous pouvez acheter des diamants séparément. Ici, on a les diamants AB ronds. Ici, on a les diamants AB carrés. On a des petits plateaux. On a des valisettes, des petites règles. D'autres petites valisettes. Regardez si c'est beau, ce plateau. Un petit plateau avec un bouchon rond. Ah, c'est trop beau! C'est trop, trop beau! Donc, je vous invite, mes amis, à aller vous promener sur le site. Il y a tellement de choses intéressantes à voir. Vous avez également un onglet promotion, des trucs en spécial et tout. Donc, voilà, mes amis, je pense que j'ai assez parlé maintenant. Je pense que je vous ai montré pas mal tout. Je vous laisse aller visiter le site et vous promener et découvrir tout ce qu'ils ont. Moi, je suis super contente de cette toile. Je remercie une fois encore du fond du cœur la boutique Auraloa pour m'avoir accordé leur confiance, pour m'envoyer une toile gratuite pour que je vous la présente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà cette boutique. Est-ce que vous en avez entendu parler? Moi, je n'avais entendu parler en bien. Je n'avais rien entendu de négatif. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous mets le lien de la boutique Auraloa sous la vidéo dans la barre d'infos ainsi que le lien direct vers la toile Amanda et Axel. Je crois que c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous parce que vous allez avoir des vidéos Diamond Painting and Chat où on va poser ensemble les diamants pour voir comment ça va, comment les diamants se posent et tout. On va voir, on va parler, on va papoter et on va faire du Diamond Painting en même temps. Pardon! Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.